On est sur Dubaï là. Oui, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Doucement, doucement. Non mais ça y est, non. Non mais vas-y, je vais ça y est, ça y est. Non mais il est sérieux. Non, là, regardez-moi, c'est exactement ce qu'il veut, on ne bouge pas. Merci, merci. Vieux mec. C'est bon, tout le monde est là? Allez, on y va. Allez. Donc, ça c'est la cuisine. Alors, je vous préviens, j'ai pris que du porc. Hein. J'espère que ça dérange personne. Là, c'est le frigo. Il y a du coca? Non, il n'y a pas de coca, mais on part dans 5 minutes. Donc, si tu veux, tu peux envoler à l'épicerie. Ça, c'est les cabines. C'est pas très grand, mais vous verrez, hein, vous serez pas dépaysé de la garde à vue. Là, il y a les douches. Donc, ça, je pense que ça vous intéresse pas. Et nous, on chie pas dans la mer. Donc, là, il y a les sanitaires. Et dernière chose, mon bateau c'est pas un HLM. Donc tout ce qui traîne, fringues ou autre, ça finit par-dessus bord. Fin de brief. Sur la tête de ma mère, j'ai failli monter en l'air. C'est bon maintenant? On va pas tenir 15 jours ici, hein, c'est mort. Hein. On va pas tenir, moi je vous le dis. Truc de ouf. Non, c'est pas un truc de ouf, gros. C'est un truc de fils de pute. Mais. Moi je reviens. Les cassos. De toute façon, c'est pas le sujet. On parlait de Ryan, non? Bon alors. Non mais bon, de base, il devait pas être là et au final, il a une cabine pour lui tout seul et nous, on est obligés de dormir à deux. Ouais. Ça se fait pas ça. Et pourquoi il dort pas avec Stéphanie? Ah non, on va pas commencer à tout changer, tout est organisé, ok? Donc vous deux vous dormez ensemble, Léa dort avec Sam, personne ne dort avec Stéphanie, d'accord? Ah, et à ce propos, les relations sexuelles sont strictement interdites à l'intérieur de ce bateau. Ça veut dire que si moi je dois qu'elle Léa, je peux pas. Toi qu'elle compote déjà. Frère, heureusement mon mot il est pas sorti de ta bouche, hein. Comme si t'aurais pas kiffé. Mais gros, même avec un taser, je te touche pas. Même avec un taser, elle touche pas, elle a dit, t'as compris? Quoi, tu rigoles, toi? Même le bateau, il veut pas de toi. Non. Arrête de rigoler, toi, espèce de mec chelou. Vas-y, arrête de toi, mec chelou, calme-toi. Arrête de créer pour un déodorant. Eh, arrêtez, oui. Allez, je vais taper, hein. Tu vas avoir mon assiette dans ta tête, tu vas avoir. Allez, ça va, on rigole. Arrête ta main. Ça va. Oui ? Entre. Ça va ? Tu voulais me voir pour... Bah, pour le débrief de la première journée. Avoir tes impressions. J'avoue, c'est en gros. Toi, t'as des bruits. Bah oui, t'es pas ou quoi ? Ouais. Ouais, je suis bien. Relou l'ambiance dans le bateau, hein? Ouais. Ouais. Bah, je sais pas, je baisse pas les bras, hein, mais... Quand je pense à tout ce qu'on doit affronter tout le temps, je me dis, putain, un an à convaincre la mairie, à se taper pour ce voyage, en espérant que les gamins, tu vois, ça leur donne une étincelle qui leur donne envie de s'en sortir, et là, faut qu'on tombe sur un putain de droitard. Tu m'écoutes ou pas, là? Du coup, on se disait... Vous avez vu ce qu'il a dit, Alex, sur les relations sexuelles, tout ça? Ouais. Qu'il n'y a plus de réseau, il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de filets. Ah bon, allez, fais vite, là. Déjà, c'est pas à toi qu'on parlait, mais c'est plus à Léa. Ouais. Et donc? Ben, du coup, on se disait, s'il n'y avait pas moyen de... Vous êtes sérieux, là? Tu m'écoutes ou pas, là? Non. C'est parce que je te trouve resplendissante. Venez voir. Ah, vous voulez me ken? Mais non, n'importe quoi, moi c'est lui, il m'a dit on y va, tout ça. Hein? Il est rigolo comme vous là. Quoi, c'est moi qui t'as suivi. Toi, je m'as dit, viens, on va aller voir. Et toi, en fait, t'es bon qu'à raconter des histoires. De bouffon, il est l'heure de dormir. Là, tu me dis que je m'en dirai, après tu viens. Toi, tu m'en dirais. T'avais pas moyen de. Tu m'en dirais. T'as vu comment ils ont lâché? C'est dégoûtant. Le voisin, il est en pleine croissance, il est là, il vient. Ah ouais, il a de l'audace, il a de l'audace.